Nous sommes ensemble pendant un moment afin de permettre à Jésus de nous bénir. On va faire une expérience. Et dans l'Évangile, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont venus vers lui pour faire une expérience. Les besoins n'étaient pas les mêmes, mais chacun a fait son expérience. Et cher ami, tu vas faire ton expérience selon ton besoin. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Et il veut te rendre heureux. Il est puissant pour faire ce dont tu as besoin, dans ta vie ou dans ta famille, dans ton corps comme dans ton âme. Alors Dieu va nous bénir ensemble. Quand j'étais gamin, on a fait toutes sortes de jeux, et sûrement que c'est pareil pour toi, on a fait toutes sortes de jeux et on, on a parfois joué à l'aveugle. On était bandés et on essayait de, de se prendre pour un aveugle. On essayait de marcher, d'avancer, parfois on mettait des obstacles, il fallait les éviter. Enfin, ça nous faisait drôle et c'était impressionnant. Parce qu'on est comme dans une nuit, tout d'un coup, comme d'immenses ténèbres. Mais c'était un jeu et ça ne durait qu'un instant. Ouf Mais on n'a jamais pu imaginer ce qu'est la souffrance d'un aveugle. Certains naissent aveugles, n'ont jamais vu les couleurs, ils n'ont jamais vu un visage, ni le leur, ni celui d'un être aimé. Et puis certains le deviennent. Et je crois de tous les sens que Dieu nous a donnés, nous avons cinq sens, je crois que le plus précieux, c'est la vue. La vue. Alors on va dans l'évangile voir un homme, et cet homme, on le trouve à Jéricho. Venons ensemble dans Marc au chapitre 10. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, aie pitié de moi Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort Fils de David, aie pitié de moi Jésus s'arrêta et dit, Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, Que veux-tu que je te fasse Maître, lui répondit l'aveugle, Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé aussitôt il recouvra la vue et suivit jésus dans le chemin amen il y a là un homme et ce n'est pas un homme anonyme il a un prénom il s'appelle bartimée bartimée signifie fils de timée et le mot timée signifie l'honorable je suppose que son père honorable à Jéricho était un homme important. Je ne sais pas si c'était le préfet, le commissaire, peu importe. Mais quand ce gamin est venu, à, à sa naissance, on a dit, wow, c'est le fils de quelqu'un. C'est le fils de l'homme important de Jéricho. C'est le fils de son père. C'est Bar mais fils de l'honorable. Et on a dit, waouh, il y a quelque chose de magnifique. Oh, il y a un tapis rouge pour lui. Oh, la vie lui sourit. On dit aussi, il est né sous une bonne étoile. Ça, c'est ce à quoi il était destiné, fils de son père. Or, la Bible nous dit qu'on est tous destinés à être fils de quelqu'un. Dieu nous crée, et quand il nous crée, il nous crée à son image. Et on a tous quelque chose de Bartimée, toi et moi. Mais voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on le retrouve ici, mendiant, aveugle, assis et au bord du chemin. Ouah, wow, trop de choses, là Et sa souffrance est d'autant plus grande que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est destiné à être le fils de l'honorable et il vit comme un misérable. Il est destiné à avancer sur un tapis rouge et il n'est même pas sur le chemin de la vie, il est au bord, il est marginal. C'est un malheureux parce que quelque chose de grand l'attend, et il vit la misère, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Nous aussi, on est débartimés, fils du Très-Haut, et je vous ai dit qu'on est à l'image du Très-Haut. Cependant, on le sait, à cause du péché, à cause du mal qui est venu dans notre cœur, nous ne sommes pas débartimés. Et notre souffrance est d'autant plus grande que nous sommes destinés à être debout, et nous voilà jetés à terre, à avancer, et nous reculons à vivre dans la lumière et nous sommes dans des pestes ténèbres les meilleurs d'entre nous marchent comme à tâtons nous sommes vraiment ce mendiant cet aveugle assis au bord du chemin n'avez-vous pas l'impression mon ami que vous êtes à côté du chemin de la vie que vous êtes fait pour des grandes choses et vous n'arrêtez pas de connaître échec sur échec que vous êtes fait pour courir dans la lumière et vous avez du mal à avancer barthimée alors voilà sa condition mais la deuxième chose, c'est qu'un jour, il entend parler que Jésus arrive, Jésus du Nord, Jésus de Nazareth, et il arrive à Jéricho, la ville des palmiers. Il a entendu, il n'a pas besoin de voir. Souvent on dit Ah, si je vois, je croirai. Non Il faut que tu entends. Et ce que tu entends, c'est cette parole Jésus arrive, Jésus vient dans ta ville, dans ta maison, Jésus vient pour te toucher, te bénir. Et Bartimé, il entend ça. Et il entend aussi que Jésus guérit. Que Jésus fait des choses incroyables. Alors il se met à croire, et là il y a la foi. Il se met à croire il va crier. Et quand on va dire, chut, dérange pas, laisse le Seigneur, il est avec des gens, mais qui tu es, toi Il va crier plus fort que cette opposition. Mes amis, la foi nous fait crier plus fort que toute l'opposition, que tous ceux qui veulent nous empêcher d'aller à Jésus. C'est un homme de foi. Et il a une foi remarquable. Et il nous faut cette foi-là, très simple la foi qui s'empare, la foi qui saisit la foi qui reçoit. Alors il va crier beaucoup plus fort, et parce qu'il crie, quand un malheureux crie, Dieu l'entend, et il le délivre de toutes ses angoisses, de toutes ses détresses. Parce qu'il crie, il est écrit, Jésus s'arrêta. Imaginons cela. Ce n'est pas un homme qui est venu avec une carte de visite. Jésus, viens chez moi, je suis monsieur un tel. C'est un malheureux, c'est un mendiant, c'est un misérable, à qui on a dit, jetez-toi, ce n'est pas pour toi. Non, laisse le Seigneur tranquille. Jésus s'arrête, se retourne et vient pour Bartimé. Et il reçoit cette parole, prends courage. Les gens qu'il envoie vers cet homme lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Wow. Et moi, ce qui me plaît, c'est que cet homme, alors qu'il n'est pas encore guéri, se lève dans sa cécité et va en direction, on le conduit sûrement un peu, on l'aide un peu, mais il va en direction de Jésus. Et Jésus aura cette parole pour lui, il a cette parole pour toi, mon ami. Que veux-tu que je te fasse Demande au Seigneur, selon ton besoin. Il aurait pu dire, Seigneur, je suis mendiant, je voudrais un chien pour conduire l'aveugle que je suis. Seigneur, je suis mendiant, je voudrais quelques droits dans les autobus, il n'y en avait pas à l'époque, hein, ou dans les transports de Jéricho. Je voudrais une aide alimentaire. Non, bien sûr que non. Il demande vraiment sa guérison. Alléluia. Il dit Je veux une guérison complète. C'est impossible et pourtant je veux recouvrer la vue. Je veux la recevoir de toi, Jésus, car tu es celui qui guérit. Amen. Alors mon ami, je veux qu'on s'approche du Seigneur et qu'on vienne comme Bartimée, parce qu'on est fait pour quelque chose de grand. Tu n'es pas fait pour vivre l'existence pénible que tu vis. Tu es fait pour les hauteurs. Tu es fait pour avancer. Tu es fait pour être dans le chemin. Quand il est guéri, il suivit Jésus. Dans le chemin, viens avec moi et on s'approche de lui. Merci parce que tu as dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse Et tu nous le dis maintenant. Tu veux entendre de notre part la foi qui te demande l'impossible. Je te prie maintenant à mes amis qui m'entendent de leur accorder ce qu'ils te demandent, qu'ils te l'accordent avec foi, Seigneur. Et tu leur donnes cette guérison. Si c'est dans leur corps, tu réponds et tu bénis. Puisque tu guéris l'aveugle, tu peux guérir n'importe qui de n'importe quoi. Et si c'est un besoin spirituel ou matériel, tu interviens, Seigneur. On s'approche ensemble. On veut faire taire tous les bruits étrangers. Peut-être c'est le doute ou un combat au fond de nous-mêmes et crier plus fort que le doute, que le bruit, pour dire Jésus, touche-moi, guéris-moi, bénis-moi. Amen.